un auteur qui débute, qui a écrit et qui a même animé la revue graphique des enfants, enfin des gens infantiles, et qui s'est lancé dans un projet un petit peu fou, qui est de réaliser une anthologie autour d'un compositeur. Donc c'est une nouvelle vocale par un compositeur flamand, Nicolas Lin, qui s'appelle Flama, qui est le premier volet d'une chronique qui en comprendra je ne sais pas combien. Je ne serais pas tout à fait sémitologie. D'accord. Alors, attention, c'est écrit en latin pour le rendre en voix. Il en a été tellement fin qu'il a demandé à plusieurs auteurs d'écrire des nouvelles autour de cette œuvre musicale. Ce n'est quand même pas si évident que ça. Alors, de la musique, nous passons à l'illustration. Avec Nicolas Dupuis, qui est donc un illustrateur, qui a fait ses études à l'école du peuple, qui a réalisé des bandes dessinées, qui a commencé aussi avec les jeux vidéo, et puis alors des collaborations avec des auteurs quand même prestigieux, ça a été Moebius, ça a été Truyer, surtout. Donc, et qui fait des illustrations formidables. J'ai même bénéficié des illustrations. Voilà, pour la mission d'argent. Merci Marie, que j'ai entendu. Et puis, nous avons donc Fabrice Bourland, qui est donc un auteur fan des œuvres du 19e et du 20e siècle, du début du 20e siècle, autour de Conan Doyle, de Rouletabille, et qui a entamé une série d'édition 18 avec deux détectives qui ressemblent un petit peu à Sherlock Holmes, hein, des réminiscences qui s'appellent Andrew Singleton et James Trelawney. Donc le premier c'était le fantôme de Baker Street. On en parlera après, mais enfin là on va ressurgir tous les personnages et tous les monstres de ces romans d'époque, Les Portes du Sommeil. La dernière enquête du Chevalier du Pain, qui cette fois-ci va donc se faire sur les autres personnages. Et puis le dernier, Gabi Crystal Palace, je ne suis pas dans l'ordre. C'est le bonhomme. C'est le bonhomme. Laurent Poujois, qui donc a écrit une uchronie, après avoir été pour les enfants, une uchronie assez saisissante qui se passe dans un futur lointain et nous sommes seulement restés dans un univers napoléonien. Pour les gens qui veulent, j'aurai l'occasion demain, vers 16h30, de lire des extraits de chacun de ces ouvrages. Voilà, vous pourrez aussi découvrir le texte. Et qui est aussi réalisé avec d'autres, et avec Nicolas Fructus, illustrateur, Cadat, le livre est là, un livre très illustré, et là nous sommes avec Howard Philippe Lovecraft. Donc après une science-fiction futuriste, mais enfin qui fait quand même appel à l'histoire, là nous allons là aussi sur les terres d'autres auteurs. Ce que fait aussi Jean-Louis, qui se met à. D'abord, il est très influencé par Boussolo. Ça se voit, j'ai même été frappé en venant dans un Wendy. Un chapitre intitulé Procédure d'évacuation immédiate. Et là, par exemple, Sylvie pourrait dire procédure d'évacuation immédiate. Je suis content, des fantômes des musées fantômes de Boussolo, et donc là, c'est avant la série. Et qui a aussi exploré l'univers des feuilletonistes du début du siècle, notamment donc avec. La chambre mortuaire, la main de Loire, et le troisième qui aurait pu paraître à 7h et qui a été reporté à janvier, février. J'ai vu février à ce moment-là. Bon, c'est un auteur très prolifique également, avec des jeux de rôle aussi. Et il y a déjà parce qu'une question que je me posais, c'est qu'il y avait un roman inédit à ce jour qui avait été accepté par le Fleuve Noir en présence des futurs. Si je me souviens bien, ça fait 100 milliards de mouches.
sorti deux fois depuis. Il a sorti deux fois depuis, en fait. C'était le titre de travail, 100 milliards de bouches, c'était la première année. Et en fait, c'est une longue histoire. J'ai écrit ce livre très très vite, en 3-4 jours, avec en première version, une alternance sur cette espèce de monstre, et puis le policier très pragmatique qui le courait après. J'ai envoyé à Serge Boussolo, qui était le directeur de la production de l'écriture à l'époque, qui a joué le jeu, c'est-à-dire a donné une de ses lectrices qui détestait ce type de bouquin, qui lui a envoyé une pièce qui tient en vie, qui m'a appelé deux jours après en disant que j'ai toujours pas lu, mais c'est mon signe, hein, d'habitude, alors il parle très lentement, c'est un jeu de Noël, la nana, l'habitude, la déteste, tout ce que je lui filme, elle a aimé, donc je le fais. Et une fois qu'il a lu le livre, il m'a appelé encore, il m'a dit je suis très embêté, j'aime pas le personnage de flic, donc ce serait bien que tu changes. T'as conscience que c'est un chapitre sur deux. Ouais, mais bon, ce serait mieux que tu mettes une nana, parce que bon, on a beaucoup de lectrices, les nanas, elles aiment bien qu'il y ait des nanas. C'est une direction littéraire comme une autre. Je me suis donc penché sur le film qu'il fallait faire disparaître et j'ai mis une auteur. Et finalement, je me suis aperçu qu'il avait raison, et ça m'a obligé à retravailler mon bouquin un chapitre sur deux. Et en plus, ça va éclater les autres. Mais voilà, c'était une première expérience. Le bouquin était programmé, j'avais mon contrat, touché mes petits sous-sous et tout. Serge donne sa démission au courant d'été, il est remplacé par Gilles Dumais. J'ai un peu de courage, j'ai bien balancé une carte. Et Gilles Dumais m'appelle en septembre pour me dire on veut aussi que la voix qui traîne. Ouais, alors c'est Gilles Dumais, mais je déteste Brossolo et tout ce qu'il fait, ça va pas du tout. Donc il faudrait qu'il fasse un autre lien. Voilà, attendez, je vais être d'accord, et j'ai fait la moitié, et donc le bouquin, ouais, mais t'as signé un contrat, ouais, on firme, ouais. T'as touché les suites, bah ouais, j'ai envie de le lire, ouais, mais il en faudra un autre, je dis pas que du genre, tu commandes une baignoire, tu ne savais pas, tu commandes une piscine, on peut payer une fois. Et il m'a dit, mais t'as conscience que si tu veux pas, tu ne publieras jamais chez les vrais. J'ai dit, ah, et c'est grave, et j'ai raccroché. J'ai attendu les 36 mois de Lego pour envoyer ma petite lettre. Les gens, bon, ben voilà, moi je vous ai livré un livre parce que je ne pouvais plus rien attendre. Ils ont été très gentils de m'envoyer. Et Serge Boussolo était très gentil, l'a repris, l'a mis dans la pile pour Gérard May. J'ai eu le prix Fantastica et j'ai eu le droit à un bouquin qui était payé deux fois en Lego. En revanche, avec les sous-sous de la première, je suis très fier, je me suis offert de l'original de couverture de Florence Magnin, qui est au-dessus de mon bureau et qui me rappelle qu'un livre en existe, pas quand on a signé un contrat, ni quand on l'a filmé, ni quand on l'a lu, mais uniquement quand il arrive en ligne. Et je suis pas bien content parce que, un, j'ai appris qu'il y avait des gens bien et d'autres moins bien dans la métier. J'ai donné le nom que vous avez noté. Je continue à vouer une grande, grande amitié à Boussolo. Le clin d'œil dans Wendy, c'est parce que c'était lui le directeur de collection. Donc j'en ai rajouté des pièces, non pas pour lui brosser les pompes, mais juste parce qu'on s'amusait tous les deux. Et puis, ça m'a quand même permis de m'offrir un original de Florence Magnin. Je ne suis pas confiant. Vraiment, je suis très bavard, mais j'aime ça. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, peut-être avec Laurent, pourquoi vous avez envie de revisiter comme ça les œuvres de, je ne sais pas, vos lectures d'enfance, je suppose, de revisiter ces auteurs? Bah, pour mon cas, ça vaut essentiellement pour le travail sur Canap. Après, je dirais que tout simplement, ça se rapproche peut-être aussi de ce que disait Jean-Luc pour Boussolo. Moi, c'est Lovecraft qui m'a donné envie d'écrire. Les premières nouvelles que j'ai écrites, que j'ai jamais fait lire à personne et que personne ne lira jamais, le style était une copie, une très mauvaise copie de Lovecraft. Mais néanmoins, c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire. Et que j'ai démarré à 15-16 ans à l'écriture. Voilà, donc pour moi, quand on me propose, parce que c'est en fait c'est une proposition que m'a fait l'éditeur, sachant que j'avais dans mes bouquins jeunesse abordé l'univers de Lovecraft déjà, donc quand il me propose de travailler sur Kalat, la cité des dieux, des terres des rêves, qui est pratiquement l'univers fétiche pour moi, et je demande où est-ce qu'il faut que je signe, et j'y vais les yeux fermés, c'est obligatoire. Comment ça s'est fait cette aventure? Je vais justement rajouter par rapport à ce qu'il dit Laurent là-dessus. Sur le montage de Kadat, justement même sur la réunion des auteurs, on y est tous allés avec beaucoup d'entrain.
mais en fait, avec une grande crainte cachée, c'est que Lovecraft, pour beaucoup, on l'avait lu il y a 20, 25 ans, 30 ans, et en se demandant ce qu'il allait en rester, parce qu'on, enfin, pour beaucoup, on ne l'avait pas relu. Je ne sais pas si c'était ton cas à ce moment-là, mais bon, ça faisait 20 ans que j'avais pas ouvert un Lovecraft quand même. Donc, oui, ça nous a mis les pieds à l'étrier. On est aussi une génération qui a découvert aussi Lovecraft par le jeu de rôle, par l'appel de Cthulhu. Et on a tous été plus baignés par le jeu de rôle que par les écrits de Lovecraft, souvent. Enfin, moi, c'est mon cas. Je les ai lus parce postérieurement au jeu. Et j'ai eu très peur à un moment que ça soit, pour parler trivialement, de lecture boutonneuse, de me dire que c'est une lecture voilà, qui met en effervescence à 15 ans, mais à 40 ans, beaucoup moins en fait. Et j'avais même en mémoire quelque chose de pas forcément si bien écrit que ça, mais avec un univers fabuleux. Et c'est presque l'inverse en fait qui s'est produit, c'est-à-dire qu'en relisant, on s'est tous remis à lire pendant la construction de l'ouvrage. Et puis à lire et relire pour choper tous les codes, parce que le livre de Kadat, c'est une écriture d'écrivain à l'intérieur d'un univers qui a déjà été écrit, dont certains codes ont déjà été posés par un autre écrivain. Donc fatalement, il y avait un moment où il faut bien relire dans le texte quand même ce qui a été fait par Lovecraft. Bah, juste par respect déjà, parce qu'on respecte tous, juste pour bien respecter tous ces codes. Et puis de pas avoir envie de faire quelque chose de trop à côté, quoi. C'est juste ça. Et en image, c'est d'autant plus important que, enfin, moi j'ai pas de mémoire, donc j'avais des vagues réminiscences de vision, mais j'aurais été incapable comme ça de but en bande dessiner quelque chose de Lovecraftien, enfin, sans faire du Faudrier ou du faux Khazar, enfin, des images dont on est tous imprégnés. Et c'était pas ça, c'était surtout de le relire et d'essayer d'avancer avec ça. Donc tout le montage a été passionnant pour ça, parce que ça a été aussi une relecture de pas mal d'ouvrages de Lovecraft. Et voilà.